Frères et sœurs, nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Nous courons éperdument après l'on ne sait quelle réussite et quel but. Et puis, voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois un espace nouveau, un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Un temps de la grâce et de la paix que nous partageons ensemble. Alors, frères et sœurs, eh bien, je vous invite à prendre un tout petit peu de temps pour nous saluer les uns les autres et nous offrir cette grâce et cette paix qui nous sont données gratuitement. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Et nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire avec nos cœurs te chantent.
déposait tout ce qui nous pèse. Et si on déposait tous nos fardeaux? Et si on déposait tout ce qui empêche une juste et bonne relation avec le Seigneur notre Dieu et avec notre prochain? Nous pouvons le faire en toute sécurité parce que nous sommes assurés d'un accueil et d'un amour inconditionnel de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Ô notre Dieu, c'est ainsi que nos pères et nos mères te priaient. Nous sommes moins sûrs de nos mots, moins certains de nos images. Nous désirons d'abord avouer nos incertitudes, nos doutes, nos impuissances. Nous connaissons la laideur et la violence de ce monde que nous faisons. Nous savons qu'il en est de notre responsabilité, personnelle et collective, par nos convictions chancelantes et nos engagements limités et calculés, que ton Église n'est pas telle que tu la veux. Nous savons qu'il en est de notre responsabilité, personnelle et collective, par notre impuissance et par le cynisme des puissants qui nous gouvernent, si des enfants ont faim dans le monde, si la torture accable ceux qui se dressent contre l'oppression, si le racisme n'est pas encore extirpé de nos esprits, si des hommes et des femmes sont abandonnés à la rapacité de l'amour des richesses. Il n'y a pas d'heure où ton Fils ne soit à nouveau crucifié, et nous confessons que cela émousse notre espérance. Pardonne nos découragements, nos lassitudes, nos engagements mal tenus. Pardonne aussi nos grands élans inutiles et toutes les paroles que nous prononçons sans les faire suivre d'actes concrets. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est tout cela que nous te remettons. Amen. Frères et sœurs, quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon qui nous décharge, nous allège et nous donne de marcher vers son royaume. Nous le signifions en nous levant. C'est pardonné et libéré que nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel. Tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Au contraire, le commandement que je te prescris aujourd'hui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la maladie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons les trois lectures ce matin. La première dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien, vous, les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui dépassez les bornes? Si une personne juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, elle meurt à cause du mal qu'elle fait. Si au contraire une personne méchante renonce à sa mauvaise conduite, et se met à agir selon le droit et la justice, elle sauve sa vie. Elle peut continuer à vivre puisqu'elle s'est rendue compte de ses mauvaises actions et qu'elle y a renoncé. Il n'y a plus de raison pour qu'elle meure. Nous lirons maintenant dans Matthieu 21, versets 28 à 32. Que pensez-vous de ceci? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » « Non, je ne veux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il eut des remords et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre. Celui-ci lui répondit, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru,
Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas eu de remords pour finalement croire en lui. Et enfin, dans Daniel 11, 32, par des flatteries, ce roi amènera les gens à rejeter l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu restera ferme dans sa façon d'agir. Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays, qu'il disait. Alors, qui se souvient d'où vient cette phrase ? Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays, qu'il disait. Astérix. Maintenant, savez-vous dans quel album elle a été prononcée pour la première fois ? Ah, c'est plus compliqué. Dans le Tour de Gaulle d'Astérix de 1965. C'est un légionnaire de Baba Aurum qui lâche pour la première fois cette remarque que l'on retrouvera ensuite à divers moments des aventures d'Astérix, produisant un effet de comique, de répétition. On le sait peu, mais cette citation parodie en réalité les slogans des campagnes pour la Légion étrangère française. Engagez-vous, rengagez-vous dans les troupes coloniales. Or, cette phrase récurrente devint assez vite culte, au point qu'elle est utilisée à divers propos, jusqu'aux États-Unis, jusque dans la pub, et qu'on lui attribue la paternité à Goscinny, ou voire on ne sait même plus qui l'a prononcée. Voilà. Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays, qu'il disait. Tout engagement suppose une parole. Engagez-vous, qu'il disait. Engager sa parole, c'est donc la mettre en gage, comme le dit la racine du mot engagement. Les définitions du Centre national de ressources textuelles et lexicales nous rappellent que l'engagement désigne aussi une situation dans laquelle on se met à disposition de quelqu'un par contrat ou promesse. La notion de contrat évoquant elle aussi l'idée de garantie. Ainsi, lorsque le légionnaire de Baba Aurum s'engage, que met-il en garantie ? Eh bien, on peut dire qu'il met à disposition sa combativité, sa force, sa loyauté, toutes les qualités dont a besoin le pouvoir romain pour dominer l'Empire. Tout engagement implique aussi un renoncement. Alors ce légionnaire va renoncer, accepter de renoncer à une certaine liberté, un certain confort. Peut-être va-t-il devoir aussi quitter sa famille. Ce qui veut dire que l'engagement n'est possible que s'il implique les deux parties. En effet, qui voudrait s'engager s'il n'y avait une contrepartie ? En échange, l'empereur romain promet une solde, une insertion et une reconnaissance sociale, l'intégration dans un corps et peut-être une médaille. S'engager, c'est donc promettre, s'allier, comme lorsque deux fiancés s'engagent l'un envers l'autre. Chacun d'eux renonce à sa liberté de célibataire
et s'engage à être fidèle, à aimer l'autre, à lui porter assistance et secours. Engagez-vous, qu'il disait. Qui ça, il ? Le gouvernement français aux jeunes qu'ils encourageaient à rejoindre la Légion dans les colonies, hein, on l'a entendu. C'est la phrase d'origine, mais qui d'autre ? Les dirigeants de tous les pays du monde qui ont besoin d'une police, d'une armée, mais aussi d'une administration, d'un système d'éducation ou de santé fiable, et qui leur promettent en échange une reconnaissance, un bon salaire, une sécurité de l'emploi, une insertion sociale, une nationalité. Et qui d'autre ? L'éducation nationale, par exemple, aux enfants de la République, leur promettant un avenir pour tous dans l'égalité des droits si les enfants s'engagent dans le travail. Mais qui d'autre encore ? Les entreprises qui engagent des salariés en leur promettant un salaire, une reconnaissance sociale, une promotion. Pour l'instant, vous me direz, on ne voit pas très bien la relation avec cette parabole de Jésus, n'est-ce pas ? Quoique, il est question de parole et d'engagement dans cette réponse que donne chacun des fils à leur père. Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu d'alliance, un Dieu qui s'engage. Hein, il y a bien un cantique qui dit « Si Dieu pour nous s'engage », un Dieu qui s'engage à protéger son peuple, à le libérer de l'esclavage et qui demande en contrepartie au peuple qu'il s'est choisi de lui réserver l'exclusivité. D'ailleurs, ne le part-il pas souvent à une fiancée ? Engagez-vous, qu'il disait. Qui d'autre encore pourrait dire ça ? Les associations, nos églises et le diaconat qui engagent des bénévoles. Mais pour quel bénéfice ? Ce sont des bénévoles, non ? Par essence, des personnes désintéressées. Pas si sûr, hein. Parfois on s'engage dans le bénévolat parce qu'on va trouver là une forme de reconnaissance aussi, peut-être aussi une forme de pouvoir. Ça peut aussi être problématique. Néanmoins, le bénévolat signifie bien qu'au-delà du profit immédiat que peut-être on va retirer, tout engagement comporte une promesse plus profonde, un sens. N'y a-t-il pas, derrière leur engagement à être fidèle et à s'aimer, la perspective pour les époux d'une vie plus belle à deux ? Et peut-être aussi une promesse de fécondité et d'éternité ? N'y a-t-il pas pour les légionnaires et tous ceux qui s'engagent au service d'un pays, d'une collectivité, la promesse d'être utile, d'œuvrer pour plus de justice, de fraternité, pour quelque chose de plus grand que soi. Finalement, tout engagement me paraît offrir plus qu'un bénéfice immédiat ou légèrement différé. Une promesse de changement d'état, un déplacement. Vous verrez du pays, qu'il disait. Une promesse de rapport avec une transcendance, une promesse d'éternité. Engagez-vous, qu'il disait. Pas d'engagement sans consentement libre et choisi. Ou alors ce n'est pas de l'engagement. Dans la parabole que Jésus a dite, chacun des enfants a le pouvoir de dire non. C'est quand même incroyable. Pourtant, on attend des enfants qu'ils obéissent, non ? Eh bien là, chacun a le pouvoir de dire non. Le premier n'hésite pas à l'employer, quitte
à entrer en conflit avec son père, quitte à en subir les conséquences. Il dit « Non, je ne veux pas. » C'est au terme d'une réflexion qu'il change d'avis et répond au désir du père. Le second prononce un « oui », peut-être de facilité. En tout cas, il n'est pas engagé dans sa parole. Peut-être dit-il « oui » parce qu'il a peur du père, parce qu'il a toujours appris à être gentil, soumis, ou bien parce qu'il s'en fiche et qu'il trouve là le moyen de se débarrasser d'une pression. Quoi qu'il en soit, il n'est pas engagé dans sa parole parce qu'il n'est pas véritablement libre. Engagez-vous, qu'il disait. Qui d'autre pourrait dire ça? Monsieur Poutine, par exemple, Daesh, et tous les dictateurs, grands ou petits, les gourous de sectes et les inquisiteurs qui obtiennent par la terreur ou la promesse d'un monde idéal, le pouvoir sur des populations trop faibles, désorganisées ou bien crédules. Oh, c'est bien loin tout ça, me direz-vous. Quoique, dans certains couples, bon, l'engagement suppose d'être libre et non sous emprise, emprise psychologique, financière, sexuelle, physique du plus puissant qui cherche à instrumentaliser, à dominer, à obtenir des avantages sans en payer le prix, sans se mettre en gage. Engagez-vous, qu'il disait, les dictatures, grandes ou petites, fleurissent partout. Que veulent dire tous ces burn-out que l'on voit fleurir dans nos pays, dans nos entreprises, dans nos services hospitaliers, dans nos écoles, dans nos associations et jusque dans nos églises, lorsque les salariés ou les bénévoles ne parviennent plus à dire non, lorsqu'ils se sentent impuissants à tenir leurs promesses, leurs engagements, lorsqu'ils se sentent dépassés, noyés par la tâche à faire, lorsqu'ils ne trouvent plus de sens à leur action. N'y aurait-il pas aussi, dans notre société, une dictature de la perfection, de la réussite coûte que coûte, ici et maintenant? Une difficulté d'autant plus grande à accepter nos limites que les médias nous inondent chaque jour de nouveaux engagements à tenir, de nouvelles promesses à conquérir. L'engagement personnel, toujours plus sollicité. Faut être écolo, hein, pour sauver la planète. A pour effet pervers de diluer un autre engagement. L'engagement politique, l'engagement social, celui qui réunit du monde, celui qui fait du bruit, celui qui ose dire non, qui résiste à un pouvoir, à un régime, à une société qui a réduit l'être humain à un objet de consommation. Celui qui ose remettre en question l'ordre établi. Que nous disent d'autres le nombre d'abstentions aux urnes, toujours plus grand, lorsque l'engagement du bulletin paraît tellement infime et surtout semble ne jamais apporter le changement espéré, quelle que soit la promesse. Que nous disent d'autres ces votes pour les extrêmes? Engagez-vous, qu'il disait, vous verrez du pays, qu'il disait. Le légionnaire qui prononce cette phrase semble trouver que l'engagement ne tient pas ses promesses. Dans toute alliance, dans tout contrat, arrive le temps de la désillusion, de la déception, de l'épreuve. L'époux ou l'épouse ne correspond plus tout à fait à l'image qu'on se faisait de lui ou d'elle.
L'autre se sent abandonné, seul, dans son engagement. Le Christ lui-même, frères et sœurs, le Christ lui-même engagé au point de se retrouver sur la croix, n'a-t-il pas hurlé sa désillusion à son Père ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors comment le Christ a-t-il pu ensuite remettre à ce même Père son esprit entre ses mains ? Parce que malgré tout, malgré la souffrance et la peur, malgré le silence et l'inaction de son Père, Jésus n'a pas perdu confiance. C'est pourquoi il a parlé. Comme Job sur son tas de fumier, il a hurlé son désenchantement, son incompréhension. Comme Jacob traversant le gué de Yabok, il a empoigné l'ange de la mort. Comme l'époux ou l'épouse hurlant sa colère, le salarié se syndiquant ou le peuple manifestant, il faut encore croire qu'un changement est possible. Il faut encore être capable d'espérer pour se mettre autour de la table de la négociation et réajuster le contrat. Le contrat d'engagement de façon équitable pour retrouver la confiance. Car pas d'alliance, pas d'engagement sans confiance, sans un saut vers l'inconnu, pas d'engagement sans risque, pas d'engagement sans épreuve, pas d'engagement sans la croix. Voilà ce que dit Jésus aux pharisiens, dont la langue est perverse, car ils craignent de perdre le pouvoir, le contrôle, la maîtrise de la situation. Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays, qu'il disait. C'est en remettant son esprit entre les mains du Père, au terme de son engagement, que Jésus a accompli la promesse contenue dans les béatitudes que je vais vous relire à présent. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Alors, frères et sœurs, heureux êtes-vous, vous, les engagés. Amen.
éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi d'après la déclaration du synode confessant de Barmen, 31 mai 1934, qui réunissait les théologiens comme Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer, qui voulaient lutter contre le régime nazi en train de se mettre en place. Nous le disons tous ensemble. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu, le Père, a donné la terre à tous.
Seigneur, suscite en moi le désir de t'aimer et de te servir. En aimant et en servant mon prochain. Suscite en moi le désir de m'engager pour plus de justice, de liberté, de paix, pour plus d'amour. Seigneur, que je ne reste pas paralysée par mes doutes, par mes peurs, peur de l'autre, peur de vivre, de m'engager à tes côtés, peur de perdre le contrôle, peur de l'inconnu. Viens me montrer la voie du courage contre la résignation, la voie de l'engagement pour toi, pour l'autre, mais aussi pour moi. Peut-être parfois contre la loi ou l'institution, si elles ne servent plus l'être humain. Seigneur, aide-moi à donner, à me donner librement à l'autre, mais que ce don ne cache pas tout ce que je ne donne pas ou mes culpabilités secrètes. Aide-moi à être vrai, humble, et discret, pour laisser à l'autre la route la plus dégagée possible vers toi. Seigneur, aide ton Église, ses services et ses communautés. Aide le diaconat à vivre pleinement de la force que tu nous donnes. Pour proclamer au quotidien, par leurs paroles et leurs actes, le salut gratuit offert à tous en Christ, pour témoigner de notre joie d'hommes, de femmes libérés de ces paralysies, mis debout, en marche, engagés vers la vie. Oui, Seigneur, donne-moi la force de m'engager au service de l'amour. Mais je ne sais plus que faire, Seigneur, devant tous les drames, les tragédies du quotidien, qu'elles soient auprès ou au loin. Ne permets pas que je me décourage devant la tâche. Au contraire, aide-moi à prendre confiance dans l'engagement personnel, collectif, sociétal, auquel je me sens appelée. Apprends-moi aussi à te remettre avec confiance dans la prière tous ceux qui, auprès ou au loin, vivent dans la détresse. C'est en pensant à eux, en te les nommant dans le secret de mon cœur, que je t'adresse la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Frères et sœurs, où donc entendrons... Où donc entendra-t-on le Christ, sinon à travers des communautés qui annoncent sa parole de libération et témoignent, par leur joie et leur engagement, d'un Dieu qui fait alliance et reste éternellement fidèle.
Où donc verra-t-on le Christ, sinon à travers des communautés engagées auprès des personnes qui souffrent, vivant concrètement selon son esprit et pratiquant chaque jour son évangile. Quel programme, hein ? C'est pourquoi, Seigneur, envoie-nous sur les chemins quotidiens. Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention, engager notre solidarité, travailler pour la dignité et aussi prendre du temps pour la prière. Et qu'ainsi, à travers notre existence menée selon l'Évangile, apparaisse le visage du Christ pour nos sœurs et nos frères de ce temps. Il nous faut bien une bénédiction pour y arriver, n'est-ce pas ? Alors, je vous invite à vous lever. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, rien que ça, vous bénisse, vous envoie et vous garde. Amen. Et nous chantons pour terminer, que Dieu nous bénisse et nous garde.